Fais-le bien. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Margot, j'ai 18 ans, je suis en terminale et j'ai décidé de vous montrer la vraie vie. J'ai filmé ma classe, j'espère que ça va vous plaire. Alors toi, j'ai besoin de toi en deuxième caméra. Je crois que... Tu veux que je travaille avec toi? Et ouais. S'il y a une embrouille, s'il y a un problème, c'est sur moi que ça retombe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, je... Putain, c'était un ouf. Je vais avoir trop de problèmes. Mais je filme rien là. Et ça, Margot, ça se réglera devant le proviseur. Parce que c'est lié à toi. T'as pas remarqué que les gens ils sont différents quand il y a une caméra? T'as vu comme ils sont surexcités? C'est pas de ma faute si vous êtes différents. Non, mais t'as remarqué comme ils sont surexcités? Putain, à cause de toi, j'ai plus pouvoir faire mon film. S'il te plaît. Non, mais t'es fier. Tu veux voir du muscle? Regarde, le pec intergalactique droit. Allez, c'est bon. Vous avez alors, par contre, là, vous avez vu des hommes, vous avez vu du muscle. Maintenant. Aïe. Maintenant, vous arrêtez de tourner votre film. Regarde les marchés, regarde. Oui, ça va, ça va. Oh, rigole, j'humour. Vous êtes jaloux. Ouais, moi je vois. Vous êtes jaloux, toi? Non, non. Du tout. Ouais, moi j'aimerais mieux sortir avec Pierre, c'est vrai. Sortir avec Pierre? Qui pourrait venir? Allez, bah, allez, viens. Allez. Oh, mais où? Oh, ça va. Je peux vous asseoir? Est-ce que je peux avoir ton portable, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que... Je l'ai éteint, je vous jure que ce ne sera pas comme la dernière fois. C'est pas grave. C'est pas grave, je veux ton portable, s'il te plaît. Vous me le rendez à la fin? Je te le rends à la fin. Promis. Promis. Ok. Ça peut vous faire plaisir? Ça me fait très plaisir. Je vois ça. Merci. Alors, madame? Oui? J'ai besoin de dire quelque chose aux autres élèves. Est-ce que je peux faire une annonce? Oui, 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 tu peux. Ouais. Ok. Merci. Voilà. Donc, depuis un moment, vous avez l'habitude de me voir avec la caméra. Ouais. Et ben, c'est très certainement le dernier plan que je suis en train de faire. Pourquoi? Et ben, parce que j'ai été convoquée dans le bureau de Monsieur Laroche. Et que grâce à votre soulèvement populaire, et ben, pour l'instant, j'ai plus le droit de filmer. Vous avez quelque chose à dire? Ça n'a rien à voir avec la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Manuel qui a fait bien parler de lui? Mais pourquoi c'est toujours moi? Je rentre, c'est mon portable, c'est... Donc, à cause d'un comportement et d'une indiscipline collective, Margot va faire les frais. Moi, je vais bien vous soutenir, mais j'ai pas le pouvoir de... Je sais pas, moi, de vous empêcher de faire les imbéciles dans votre cours. Tu as plus le droit du tout de filmer dans l'établissement? Non. Du tout, du tout. Pour l'instant. Bon, bah dans ma classe, tu auras le droit de filmer. Voilà. Alors, pendant que Vanessa va vous distribuer les policiers, s'il vous plaît, j'aimerais savoir qui étaient les délégués l'année dernière. Mickaël, Pierre. Ça veut bien marcher votre duo? Ouais, magnifique. Madame, exceptionnel. Madame, c'est pas contre Pierre, mais c'était pas terrible, franchement. T'as pas fait grand chose pour la classe, quoi. Ouais, c'est quoi? Honnêtement. Enfin, moi, non. Moi, personnellement, non. Qui quoi? Qui se présente à l'élection des délégués? Pierre et Mickaël, toujours? Oh non, on peut pas refaire deux fois la même erreur, madame. Hey. Moi, ce que je voudrais dans cette classe, c'est qu'il y ait un garçon et une fille. Donc j'aimerais qu'il y ait une fille qui
au moins une là qui se présente. Non mais Tia et Pierre délégués, ça fait un super truc. Ça t'énerve la réaction des autres élèves par rapport à toi et Pierre? T'es marrante Margot, t'es avec eux aussi hein. Ouais mais je veux que tu m'expliques. Bah vous nous appelez les Scratch, les Velcro et vous vous mêlez un peu trop de notre vie personnelle et intime. Ce qui ne vous regarde pas, je pense. Donc, je répète, d'ici le cours prochain, vous avez le temps d'y repenser. J'espère qu'il y aura d'autres candidats. Okay. C'est bon, on clôture. Alors, vous allez prendre l'introduction. Je vais lire. Vous êtes prêts? Vous suivez tous? Super. J'adore le jus d'orange. J'adore le jus d'orange. J'adore le café. J'adore Riville. N'empêche, les délégués, c'est du n'importe quoi. Mais moi, ça me fait chier d'avoir deux coincés en tant que délégué. Grave. À la limite, tu vois, on est du quelqu'un en chemette. En chemette. Alors, en chemette, tu vois, c'est à la one again. Sans déconner. Il faut trouver, on est 16 dans la classe. On réunit 9 personnes et on vote tous pour la même personne sans lui dire. C'est ça, en chemette. On ne dit pas qu'on vote pour la même personne. On est 6. Non, mais ça, c'est pas con, ça. C'est pas mal, je trouve, comme idée. Faut voter pour une meuf. Une meuf. Comme ça, tu veux le faire, toi? Comme ça, on garde. Non, attends. On a dit une meuf. Une meuf, c'est bien. Qui c'est qui a saoulé les derniers jours, sérieux? Tu nous as saoulé? Avec toi, Brian, mais on va pas t'aider. Juliette! Grave. Moi, je dis Juliette. Ah, Juliette. Tu vois, en ce moment, on est un peu en froid, mais ça me ferait plaisir de lui refaire un nouveau petit bazar. Allez-y, installez-vous. Vous voulez quelque chose? Vous voulez du jus d'orange? Allez, installe-toi. Tu vas galant. Vas-y, je vous explique. Donc en fait, nous, on est restés d'accord pour Michael parce qu'il est premier de la classe et donc tu seras toujours bien vu par les profs. Et on s'est dit qu'en deuxième personne, comme on est sûr qu'elle va pas se présenter ni rien, on s'est dit qu'on va voter pour Juliette. Mais dites-moi, pourquoi vous avez fait ça? Brian. Explique un peu. Bah, je sais pas pourquoi on a fait ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que, voilà. Ils ont fait quelque chose de mal, Pierre et... L'année dernière, c'était des quiches quand même. En délégué, j'ai failli redoubler au deuxième trimestre direct. C'était pas de leur faute. Bah si, il me défendait même pas. Il me disait, ouais, t'es désespéré. Ça va, oui. Donc c'est Juliette, sûre. Juliette, voilà. Elle veut pas être déléguée. Bah, on sait pas si elle veut ou pas, mais on s'en fout. Bah ok, on est parti. C'est un peu méchant quand même. Mais non. Attends, Gwen, fais-le. Je t'assure que c'est légal. Maintenant. Attends, il y a ma gauche. Margot, on arrête de parler. Margot, ne mange pas ta caméra. Dans le cours de Tissot, oublie pas ta caméra. Pourquoi? Bah, pourquoi? Il y a pas de pourquoi. C'est un Margot, qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'était quoi le règlement? Qu'est-ce qui a été décidé par le proviseur? Bah, je devais arrêter de filmer, ouais. Non, oui, et alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais là, on est dans la maison. Et alors, t'es pas dans l'enceinte de l'établissement? Si. Donc? Bah oui. Attends. Donc tu me donnes cette caméra? Non. Tu la donnes tout de suite? Non, ok, j'arrête. Vous la fermez. Eh, mais on n'est pas en cours, là. Non, mais, mais monsieur, on n'est pas en cours, là. Tu seras à nouveau reconvoqué. Mais monsieur, ça sent les cours. Monsieur, ce que vous faites? Parce qu'elle n'est pas encore. Vous la fermez. Le règlement était très clair. Ouais, mais je respecte pas la règle, je te la confie. Ils sont point barre. Putain, c'est mon foie. Waouh, c'est chaud. Il veut qu'on soit gentil avec lui. Pourquoi il... Faut qu'on en parle avec. Faut qu'on fasse un truc. Parce que s'abuser, c'est pas ta faute, enfin, tu vois. Bah ouais, surtout là, je comprends rien. Putain, non, merde. Pas grave, moi j'ai la mienne. Ouais, c'est ce que j'ai tant. Tu fais ça, toi. Toi, tu fais ça. Allez, bim. Toi, tu prends. Moi, je fais ça. D'accord. Merci. Toi, tu peux aller t'asseoir, d'accord. Merci. Ça fait plaisir, Margot, de te voir avec une nouvelle caméra. Ça fait plaisir. Là, en fait, j'ai plus les autorisations. Donc, normalement, je dois filmer en scred. Enfin, je dois carrément ne pas filmer, d'ailleurs. Mais je m'en fous, je continue. Non mais attends, je filme un peu là. Je rattraperai. Ça tient? Eh ben Tia, faut faire des abdos. Ça va Edith? Ça va, ouais, très bonne ambiance. Non. Voilà. Tu fais très bien la pompe verte. Oui, merci, oui, je sais. D'habitude. On prend le bras là et on fait un pivot. Ça sert à quoi?
Salut Miss. Maintenant on va faire un petit peu d'abdominaux parce que j'ai vu qu'il y en avait certaines qui en avaient besoin. On s'allonge. Main derrière la tête. C'est parti, je compte. 1. 2. 3. Ça fait mal au dos, je peux pas. 4. 5. 6. 7. 8. 9. On va pas que ça change non plus. On y va. Par contre, 2 minutes parce que je te vois plus. Comme ça, c'est mieux là. Allez. Ah, vous m'avez pas transpiré. Non, bah ça m'étonne pas. Comment tu vas faire pour la caméra alors? Bah, je sais pas. Ce qui serait bien, les filles, c'est qu'on en discute là. On va essayer de trouver une solution. J'allais dire, faudrait trouver une solution pour la caméra. Je viens t'aider. Mais moi, je viens t'aider, Margot. Ah, si tu y as, si mais, là, c'est bon. On a tout gagné. Les filles, on disait qu'il faudrait trouver une solution pour que Margot récupère sa caméra. Bah, on peut s'excuser. Non, mais ça se tente, Dolé. Tu peux t'excuser, c'est de ta faute. Hein. Tu crois que Dolé il va être ému par des excuses? Franchement. Bah, tu sais, hein. Je sais pas. C'est agréable. Bah, je sais pas, mais tu expliques déjà, c'est pas du tout de ta faute cette bagarre. Donc, je veux dire, ça n'a pas de rapport. Il s'est énervé, c'était sous le coup de l'énervement. Donc, franchement, dis-lui les choses clairement. Dis-lui que c'est vraiment important, que nous on est d'accord. Et voilà, si on t'appuie, peut-être ça passera mieux. Présente-le comme un projet pédagogique. Tu vois, c'est un truc qui sert à tout le monde, corriger tout le monde. Et puis, c'est mais non, il faut lui dire tout court que de toute façon, même s'il veut pas eu la caméra, ça serait quand même passé. Hein. Ouais, mais ça, j'arrête pas de leur dire. Je sais pas comment on pourrait lui exposer la situation, tu vois. J'en ai discuté avec les élèves. Et franchement, même ceux qui sont pas dans les classes, ils étaient super d'accord pour ton projet. Ouais. Et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je sais pas, on pourrait faire circuler une pétition. Une pétition. Ouais. Moi, franchement, je pense que tu rêves un peu, quoi. Rien que déjà pour l'embêter ou quoi, il y en a déjà, on n'aura jamais l'unanimité. Hein. Pourquoi tu signeras pas, toi? Je sais pas, dans les vestiaires, j'ai l'impression que c'était toi la moins motivée pour la pétition. Non, tu rigoles, attends, moi je suis carrément avec toi. Bah ouais, mais je sais pas, tu... Non, c'est juste que l'idée de la pétition, tu vois, je trouve ça un peu naïf, quoi. C'est parce que c'est Juliette qui a eu l'idée que tu trouves ça ridicule? Bah non, c'est pas parce que c'est Juliette qui a eu l'idée. Attends, une pétition, enfin, ça marche pas, quoi, tu vois, c'est... Faut arrêter de rêver, quoi. T'es pas d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir le proviseur pour lui donner la pétition. Ouais? C'est mort, laisse tomber. C'est pas vrai. Bah si. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit non, j'ai pris ma décision, c'est mort. Je lui redonnerai pas la caméra, c'est mort. Pétition, j'en ai rien à foutre, ça m'aime même pas. Non mais c'est pas possible. Ça? Mais non, je plaisante! Il l'a dit textuellement. Ça me touche. Qu'est-ce qu'il a dit? Franchement, je suis hyper réceptif. Que ça l'avait ému, touché de voir tant de signatures. Qu'il pensait pas que ton projet était aussi populaire dans tout le lycée. Déjà récupère quoi? Bah, je sais pas, il va étudier le problème aujourd'hui. Je pense que d'ici ce soir. Oh, tu l'auras ta caméra. J'adore, super, mon truc. Juliette, t'as pas des super idées? Ouais, si, j'aime bien vos têtes. Non. Va filmer. Je vais filmer le baby, moi. Allez. Vas-y, mon gars. Bonjour, madame. Ah, bon, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on s'installe? Comment on s'en vous Manuel, donne ton portable, s'il te plaît. Oh non, pas encore, non. Il te lâche pas, hein. Tiens. Donc, vous allez tout simplement mettre sur ce petit bulletin de vote le nom de Pierre ou de Mickaël. Je voudrais une main innocente. Moi. Honorez-moi. Le plus jeune de la classe, c'est qui? C'est moi. Ah, moi aussi. Non. Non, mais j'ai demandé. Moi, c'est moi. Madame, non, c'est plus jeune. Moi. Tia. Tableau. Tu ouvriras les bulletins de vote et tu diras à Brian. Merci. Qui notera le nombre de voix. Mais madame, vous le faites exprès?
La dernière fois, je lui demandais de lire. Et ben non, c'est pas moi qui ai lu, c'est Tia. Là, je demande à y aller. Et comme par hasard, c'est pas moi, c'est Tia. Vous avez un problème avec ma tête? Ah, mais elle fait pas exprès, elle cherche pas. Ah, mais ça m'énerve, quoi. Et surtout que Tia, quand t'as pas rien à côté, je suis là. S'il te plaît, à partir de maintenant, pour la majorité des voix. Pierre. Pourquoi vous avez mis deux prénoms? On a le droit de faire deux prénoms. Mais il y a deux prénoms là, au lieu de les deux prénoms. Michael et Pierre, deux prénoms. Ah, mais tu dois tout lire, tout, chaque prénom qui a marqué nom, vous avez dit. Trop fort. Michael et Juliette. Ouais, merci, celui qui a voté pour moi. Juliette et Michael. Il y a deux prénoms. Juliette et Michael. Mais pas dans être déléguée, madame. Mais si. Bah attends, mais c'est pas si. Tu vas pas être élue. Ça y est, elle a trois voix, elle croit qu'elle va être élue. Juliette et Michael. Oh non. Ah, mais tu peux refuser, hein. Michael et Juliette. Et Michael et Juliette. Oh là là. Tu veux tout éliminer. Michael, Juliette. Majorité. Premier délégué, Michael. 7-8. Elle est à 50%, elle est élue Juliette. Voilà, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ça arrive. Oh, arrête. Oh, oh, c'est bien. C'est important pour lui les élections? Ouais, c'est super important. Ça lui tient vachement à cœur et il m'en parlait tout le temps. Ça fait deux semaines qu'il m'en parle. Les élections et voilà. Ça va, il est pas en sucre, hein, Pierre. C'est bon, il a plus 3 ans. D'un autre côté, il fallait aussi qu'ils comprennent que nous, ils ne nous servaient pas à grand chose et qu'on a besoin d'un bon délégué de classe. C'est la débandade. Tiens, que se passe-t-il? Oh là là. Madame, il y a un problème, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vite, deux garçons, vite, dépêchez-vous. Vite, je vais chercher quelqu'un. Vite, deux garçons, vite. Vous appelez les secours. Ils appellent le SAMU tout de suite. Faut aller faire du bouche à bouche. Non, poussez-vous, il a besoin d'air. Poussez-vous, il a besoin d'air. Poussez-vous, dégagez, dégagez. Appelez mon docteur. Mon docteur. Son téléphone, madame, son téléphone. Vas-y, vas-y. Vas-y. Faut lui dire la main. Putain, mais t'es con. Merci. Mais con. Merci pour le portable. Putain, mais qu'il est con celui-là. Merci. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. 2 ans d'âge mental, mec. On va chercher les CPE, ils arrivent. Non, mais y'a rien, c'est rien. C'est pas la peine, c'était une blague. Quoi? C'était une blague. Ouais, t'es pas un gros connard, toi? Oh putain. Non, mais sérieusement. Ah, vas-y, on a couru comme. T'as eu peur? Bah oui. Bah oui, j'ai eu peur parce que même si Emmanuel on l'aime pas trop, quand on voit quelqu'un comme ça, on a peur. Et oui, j'ai eu peur. Ouais. J'ai pu le voir. Oh non. Eh, ça t'amuse de faire peur aux gens? Ça t'amuse? Franchement, ça t'amuse? Bah quoi? Putain, mais t'es vraiment nul! Ça t'amuse vraiment quand les gens se mettent en flip pour toi? Je sais pas, ce mec, il a un sérieux problème, quoi. Enfin, là, il va vraiment trop loin, enfin, tu vois. Je veux bien qu'on ait des problèmes, mais en fait, je me dis que j'ai fait une connerie. De le rentrer dedans, quoi. Enfin, tu vois. Ce mec-là, il attend que ça. Enfin... T'as l'impression de comprendre quelque chose? De comprendre quelque chose? Ouais. Et enfin, moi, j'arrive même pas à le juger parce que je me dis qu'il doit vraiment avoir un gros problème, quoi. Ça me fait plus de la peine qu'autre chose, en fait. Je me dis presque qu'il faut l'aider. C'est bête, mais moi, j'ai presque envie de l'aider, quoi, en fait. Vous avez vraiment eu peur?
Oui. Oui. J'ai connu il n'y a pas très longtemps une situation difficile. Lors d'un remplacement que j'ai fait il y a un an environ, j'ai un collègue qui a fait un arrêt cardiaque et qui est mort. Et je l'ai vu, il était encore en vie. Il était sous respiration artificielle. Les pompiers étaient autour de lui. Et on n'a pas pu le ranimer. Et c'est pas drôle. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'en pensent les autres élèves de la classe ? Les autres ont du mal à accepter. Soit parce qu'ils ont eu peur, soit parce qu'un professeur qui perd le contrôle, c'est très perturbant. Je vais m'appliquer à me montrer immédiatement plus sereine, retrouver tout de suite l'enthousiasme avec lequel j'aime faire mes cours pour qu'eux, ils puissent voir, ils puissent se rassurer et prendre, disons, la même voie que moi. Tiens ma poule. Attends. Chope la merde. Je vois pas. Si, il y a Tissot, Dolet et le proviseur. Je comprends, hein. Tissot, elle parle à Dolet. Et voilà. Là, il y a la caméra à Margot juste sur le bureau. Juste devant Dolet. Il a l'air d'être saoulé, hein. C'est Dolet ? Ouais. Attends. Il y a Margot qui vient d'arriver, là. Voilà, c'est pas l'air très joyeux. Attends, il y a Tissot qui parle. C'est Dolet, le gros con. Elle me saoule de pas savoir ce qu'ils disent. Il fait quoi, comme ça ? Je sais pas, il a des feuilles dans les mains, il parle avec Tissot. Ah non, d'accord. Des feuilles, là, c'était les pétitions. Ça veut dire que... Ah, de la bombe. Oh là là. Ah, ça, c'est bien, ça. Vas-y, faut... Adolé, il fait la tronche. Allez, dites-lui que c'est bon, là. Oh, de la bombe. Et Margot, elle a récupéré la caméra, là. Ah ouais, c'est terrible. Attends. Terrible. Elle est en train de l'allumer. Mais toujours en respectant ce qu'on a dit au départ, qui reste valable, toujours à l'intérieur de l'établissement, et sans que cela perturbe l'enseignement que vous subissez ici. D'accord. Hein ? D'accord ? Très bien. Voilà. Merci. Vous pouvez partir. Génial, ils m'ont redonné la permission de filmer. J'ai récupéré ma caméra et même en cours avec Dolly. Super, c'est grâce à la pétition. Les autres élèves, la solidarité. Faut que j'aille leur dire. Yay. Bravo. Tu l'as récupéré alors? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'aime sérieux, pas. Parce que dans l'arbre, la misère, hein, j'ai rien entendu. Ouais, ouais. Dis-moi ce qui t'ont dit. Ouais, eh ben, en fait, j'ai le droit de faire mon film et je peux filmer partout dans l'enceinte du lycée. Et même dans la classe de Dolé. Dolé, il va avoir une sale gueule, quoi. Ouais. Ouais, mais finalement, il est pas aussi méchant que ça, quoi. Parce qu'il m'a dit que c'était bon, je pouvais venir filmer dans la classe. Ouais. Mais je devais gérer quand même les autres élèves et. Et t'es pas vénère ? Non, finalement, il est pas trop contre nous, en fait. Hein. Attends, Margot, faut trinquer la caméra. Allez, trinque. À la tienne. Merci beaucoup. C'est les pétitions, ça a trop marché. Mais ouais, c'est ça. Dans le lycée, dans la classe. Partout. Et dans la classe de Monsieur Dolé. Ouais. Waouh, trop fort, génial. Bon, ben félicitations. Tu vois, ça marche, la pétition. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ça a trop marché. Tous ensemble. T'as signé, toi? Il faut, hein? Bien sûr qu'il a signé. Ah, mon cher. Dis-moi là, quand on parle de nous. Je dois vous dire un truc, je suis... Navré. Excuse. Désolé.
Non, j'ai merdé. En plus, je passe en conseil de discipline et je risque de me faire virer, quoi. Je tiens vraiment à te le dire. Enfin, je suis. Excuse-moi, quoi. J'ai poussé le bouchon trop loin. Voilà, quoi. Margot, excuse-moi, je suis. Bah, recommence pas, quoi. Parce qu'à chaque fois, ils disent que c'est à cause de la caméra alors que j'y suis pour rien, toi. Faut que je vois Alex. Bah. Ouais, bonne chance. Il doit aller voir tout le monde. Mollo, hein. C'est un César pour le Bah, ouais, tu vois, je suis d'accord, ils s'excusaient et tout, mais c'est vraiment. Tu vois, d'un autre côté, ça va jamais s'oublier. Bon, on va suivre le mouvement, on va laisser une deuxième chance. Allez, si on est en retard, c'est les délégués qui vont se faire engueuler. Ah, je m'en fous, c'est plus moi. Allez, dis. Tu dégages. Là, c'était une jeune affaire. Dernière pour la route.